autorité pays a gagné dans le cadre d'un plaidoyer qu'on a fait depuis environ 2 mois sous l'économie haïtienne du développement et développement économique. Travail ça a inscrit dans le cadre d'un programme de recherche scientifique que nous relais Haïti en développement. Même dans tout pays développé, nous pensons que nous avons droit ça tout, le droit au développement. Et si nous disons Haïti en développement, nous voyons que c'est affaire tout haïtien. Nous pensons que nous tous connaissons là. Nous, chaque bon rêve pour Haïti. Mais un objectif que nous gagnons, c'est faire que nous unifions rêve ça ensemble, permettre que nous gagnions un seul symbole, qui est le symbole haïtianité. C'est un objectif ça, matin, nous présenter une conférence de presse sur une recherche scientifique que nous faisons et que recherche ça, nous publier, mais je dis à nous te voulons faire même avec la presse, par devant les représentants du ministère de la Défense, par devant les représentants du ministère des Affaires sociales, par devant des partis politiques, par devant des organisations de base et aussi par devant des universitaires. Et c'est dans l'optique ça, nous parlons très rapidement sous dernier rapport Doing Business qui sorti en 2020 de Banque mondiale. Alors, 190 pays, ils ont déclaré Haïti classé dernier dans le Caraïbe. Haïti occupé 179e place sous 190 pays que le monde gagne dans le domaine monde qui a fait business. Dans le domaine création de richesse. Nous enregistrons un score en termes de production qui est extrêmement bas. Bagay ça veut dire que sur le plan international, Haïti déclaré un état fragile. État fragile là dit pays ça, moun pa ka faire business là-dedans, moun pa ka monter entreprise là-dedans. Investisseur pas besoin d'investir là-dedans. Donc mes derniers rapports que Banque mondiale publie sur Haïti, si on a vu Haïti bien investi, on pas besoin de venir puisque pays ça, il y a toujours une instabilité politique, toujours des problèmes économiques là-dedans. Par contre, nous connaissons que pour un pays développé, tout pays qui développé au prime abord, il définit un système de sécurité publique. Là, on a parlé de sécurité publique. N'a pour trois dimensions. Gagner une dimension humaine, lorsque n'a parlé maintenant de comment pour protéger la population, on a construit, gens qui n'a géré, par exemple, et contrôler pieds-bois, contrôler accident, ça c'est sécurité humaine. Sécurité humaine, elles sont branches en dedans, sécurité publique. Et n'a constaté que, jodia, depuis qu'il y a un cyclone dans le pays, il y a une catastrophe naturelle, plus de 96% haïtiens exposés au danger. Donc, un pays comme ça, n'est pas capable d'aller sur ça où il est développement économique. Deuxième dimension sécurité dans sécurité publique, nous avons sécurité nationale. Aucun pays n'est pas capable de devenir un grand pays sans l'armée. Nous reprenons ça pour nous. Pourquoi jamais un pays sur la terre qui développe, qui devient un pays industrialisé, qui devient une puissance économique sans l'armée? L'armée est là pour protéger l'intégrité du territoire. Et c'est une raison qui fait que dans tout pays à travers le monde, le pays a défini des lois d'orientation et de programmation pour la sécurité publique. Alors qu'en Haïti, nous n'avons pas gagné ça. Troisième sécurité qui est en dans la sécurité publique, c'est la sécurité citoyenne. Maintenant, c'est qui politique que l'État a gagné pour protéger les citoyens contre le kidnapping, le banditisme. On nous rappelle rapidement que sous dernier rapport CNDDR en 2019, vous reconnaissez que Haïti a gagné 96 gangs qui sont bien structurés. 96 gangs, ça, ils gagnent en moyenne 18 000 bandits là-dedans. Alors que la police seulement nous gagne 15 000, 172 000 policiers qui nettement. Chiffre là nettement insuffisant par rapport à chiffre monde qui a fait des autres dans la rue. Donc un pays comme ça, on pas capable de parler de développement économique là-dedans. Un pays comme ça pas capable de gagner croissance économique là-dedans. Autant que nous pas prendre sécurité à nous faire devenir pour nous un pilier fondamental dans ça aurait le développement. Donc experts prévoient que d'ici 2022, eh bien nombre de gangs qui gagnent dans le pays va multiplier
et pour gagner environ 24 000 personnes qui rentrent dans sa relève acte de banditisme pendant que nous gagnons seulement 15 172 policiers. Qui donc, situation ça, mettez-nous dans une autre réflexion pour nous-mêmes nous dire, en garder rapidement, qui ça République Dominicaine a fait par rapport à nous-mêmes. Très rapidement. République Dominicaine gagne 11 millions d'habitants, environ. Pendant que le territoire a fait deux fois par Haïti. Haïti gagne 12 millions d'habitants. Donc nous gagnons plus pour la République Dominicaine. Il y a plus qu'on passe en termes de territoire, nous gagnons plus pour passer. Qui ça qui arrive? Pour ou développer la sécurité de la caillou, il faut qu'on fasse en fonction du nombre de population qu'on gagne. Nous voyons que suivant le bon international, on doit gagner un policier pour chaque 225 habitants et un militaire pour chaque 227 habitants. République Dominicaine, pour 11 millions d'habitants, il gagne exactement 36 000 policiers. Alors que Haïti gagne 12 millions d'habitants, il gagne 15 000 policiers. Dans 15 000 policiers, l'État pour gérer les gens qui ont l'administration publique, l'État prend 3 000. Ça veut dire que l'État mette seulement 12 000 policiers pour 12 millions d'habitants. Bagay qui n'a pas existé aucun côté sur la terre. Et une raison, nous en Haïti, nous défions la sans jamais voulu, et c'est une raison qui fait nous dans l'État que nous y a. Donc, 12 000 policiers pas capables de 12 millions de sécurité, 12 000 policiers qui ont mal touché, qui n'ont pas d'équipement, qui travaillent dans la boue, qui travaillent dans la poussière, ils n'ont pas capables maintenant de favoriser la croissance économique. Pour créer une richesse dans le pays, il faut un système de sécurité qui est approprié. Autrement dit, l'armée République Dominicaine, pour 11 millions d'habitants, la République Dominicaine gagne 60 000 militaires. Alors que pour 12 millions d'habitants, Haïti gagne, sous dernier rapport qui paye dans le nouvel liste, Haïti gagne 406 militaires. Haïti gagne l'armée qui plus petit à travers le monde pendant que c'est plus gros l'armée dans le temps moderne que le monde a le gagné. Puisque l'armée d'Haïti est dans ADN nous, l'armée a ses forces pays, c'est l'armée qui bat nous indépendance. Je dis alors parler de l'armée à travers le monde. Il faut que tu ailles à Haïti, l'armée nous est en vitrine, c'est un modèle qu'elle taille. Mais pourtant, les regards de Haïti, sous site international, on a pointé que Haïti qui est plus petit l'armée que le monde gagne, avec un taux, alors un chiffre pardon, de 72 militaires. Mais c'est 406 qui est lié. S'il y a augmenté, il y a augmenté pendant le jour de ce passé. Autrement dit, lorsqu'on compare deux pays, c'est normal pour la République Dominicaine dans 30 ans, il espérait. Pour devenir une puissance économique en Amérique, déjà c'est une puissance économique qui gagne dans les Caraïbes là. Qui donc, si Haïti lui-même gagne comportement ça, il est évident que nous ne sommes pas capables de créer richesse en d'un pays. Là. Ça que tu avais dit, je dis, nous devons faire conclusion. En 2020, si l'État haïtien a banni la police, il a créé loi de programmation et d'orientation. Ça ne peut jamais exister dans le monde là pour la police et l'armée, ils ne sont pas régis par des lois de programmation et d'orientation. Dommage, nous n'avons pas de monde pensé pour nous. Nous avons une législature, nous passons tout le temps là sans faire rien. L'armée a mouru, la police a mouru, et voilà, nous avons effondré nous-mêmes. Autant que nous pas garanti la force publique ça, pour nous canaliser, nous ne pouvons pas créer richesse. En guise de conclusion, si je dis, l'État a dit qu'il a fait développement économique, si je dis, Haïti a devenu une grande puissance, dans 80 ans encore, le premier travail qu'il a pour le faire, c'est pour mettre un système de sécurité qui est approprié pour qu'il y ait une croissance économique. Donc, pas de croissance économique, pas de développement économique sans sécurité. Tenez bien, pour 12 millions d'habitants, l'État haïtien a doué bandou pour pipiti 30 000 policiers. Si tu as tenu compte de l'instabilité de un peuple qui est violent par rapport à chômage et pauvreté, nous sommes violents vraiment, nous avons gagné aujourd'hui à 42 000 policiers. Alors que l'État a nous seulement 12 000 policiers. 12 000 policiers pas capables de faire 12 millions de sécurité. La police couvre seulement 44% du territoire pays.
gain 66%, alors 56% espace dans le pays, la police passe sur. Donc 12 millions de monde pas qu'à gérer 27 750 km². Ça c'est grave. 12 millions de monde pas qu'à gérer 27 750 km² pendant que m'a dit ça, la République dominicaine a pensé pour Haïti dans 20 ans encore pour l'armée la couvrir tout habitant sur l'île là. Nous voyons canon. Ça veut dire Haïti son pays, si nous camper à garder, il y a saisi la même. Et ceci a prendre degré ou de force. La République dominicaine a fini par prendre Haïti dans même parce que chaque jour nous avons petit territoire et bon joie qu'elle dit. Yo gèt en mettre dans l'esprit yo 12 millions haïtiens plus 11 millions que yo gagnent. Mais qui chiffre le bail, et bien on va construire une armée pour l'île là. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à comprendre qui côté nous voulons aller. Et c'est une raison qui fait nous inviter autorités, nous inviter partis politiques pour nous comprendre que Haïti d'abord, Haïti en premier lieu, et il faut que nous ayons connaissance autour des pays. Ça n'a pas fait là, l'île doit désormais rentrer dans sa politique publique, développement pays. On regarde très rapidement une répartition sous chiffre PNH. J'en ai dit là, PNH gagne moins que 2000 filles. Chiffre ça va bon. Moins que 2000 filles, nous avons gagné environ 5000 filles en dans la police là. Pour un effectif de 40 000 aujourd'hui. Même bien dit oui, si l'État t'a prêté sur plus petit chiffre, il a banni environ 30 000 policiers. Donc, je dis à nous comprendre que tout autant qu'il n'y a pas de sécurité, nous ne pouvons pas gagner ça ou une croissance économique. On allait rapidement. Gon bagaille le tourisme. Je rappelle nous que le tourisme en Haïti, c'est une plus grosse industrie. Si nous développons, nous pouvons couvrir les déficits budgétaires qui viennent dans le pétrole. Le pays a dépensé chaque année 2 milliards de dollars pour lui seulement acheter pétrole. Pendant que la République dominicaine lui-même lui fait environ 7 à 8 milliards de dollars seulement dans le tourisme qui a mangé la caille. Si Haïti développe l'économie vers le tourisme, des moyens structurellement pour Haïti résorber le chômage. Alors que nous n'avons pas fait ça, attendez bien, l'État haïtien mettait disponible, attendez, les pays à antigen stable, nous recevoir dans le pays en 2017 environ 1 million de touristes. En dans le pays. L'État mettait seulement 136 policiers politour pour 1 million de touristes. Dans quel pays ça a existé? Jamais ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. Mais rappelez-nous, pays qui parle la mer, il y a environ 24 à travers le monde, mais c'est petit pays net, petit pays. Pays qui parle tradition, pays qui parle histoire. Mais Haïti a une plus belle histoire que le monde jamais gagné en matière de liberté. Donc Haïti ne peut pas avoir une armée normale, une armée correcte qui peut assurer le développement. Et nous avons rappelé que aujourd'hui, pour parler de développement durable, l'armée vient une nouvelle mission. Nouvelle mission, l'armée, ce n'est pas seulement gérer l'intégrité du territoire, mais c'est faire l'armée à tout vite d'une armée de développement, une armée qui parle parler contre catastrophes naturelles. Et catastrophes naturelles, ils sont divers. Nous comptons ça déjà. Nous parlons maintenant, nous débattons ça déjà sous effectif territoire, donc seulement 44% policiers occupés, alors 44% territoire occupé par la police, n'a pas dit tout en termes de conclusion. La police, tant que l'armée, n'a pas gagné aucune loi d'orientation ni de programmation. Nous ne pouvons jamais grandir si nous n'avons pas un projet de loi sur programmation et orientation. Et que nous-mêmes, aujourd'hui, nous connaissons très clairement, nous, en tant que jeunes, en tant que membres de la presse et représentants de l'État, nous devons gagner des projets de loi sur orientation et programmation de la sécurité publique en Haïti. Nous disons, tout pays qui développé, il construit d'abord l'État sur les principes régaliens. En Haïti, nous sommes censés gagner où l'État nous dit qu'il est régalien. Il reconnaît tout l'État qui développé, il parti sous base ça. 1. Sécurité extérieure, l'État régalien. D'abord, il faut que nous gagnions sécurité extérieure, il faut que nous gagnions l'armée normale. 2. Sécurité intérieure, qui c'est une force police qui est normale, qui est adaptée à vision, étape croissance économique pays, qui est adaptée à perspective, objectif, développement durable pays. Troisième élément de l'État régalien, c'est l'État qui est capable maintenant d'assurer sa émission de la monnaie. L'État qui est contrôle économique. Quatrième, qui fait État régalien, c'est ça nous appelle l'État de droit.
Donc, en garde pour nous, le développement passe par l'État régalien. L'État régalien sont l'État qui está sous quatre éléments. Sécurité extérieure, sécurité intérieure, émission de la monnaie, état de droit. Autrement dit, développement économique, ça, c'est lui-même que nous avons cherché. Et ça fait souvent nous remettre ça, vivre la révolution régalienne de l'État. Proposition de projet de loi, ça y est, il y a quelqu'un qui dit c'est l'exécutif qui doit présenter des propositions de projet de loi. Et le Parlement lui-même, il a lui-même pour faire loi et pour y ratifier. On nous dit mentalité, ça n'a pas existé dans notre pays. Quel que soit secteur, quel que soit université, quel que soit groupe de chercheurs, depuis qu'on fait une recherche, depuis une recherche innovante, depuis une recherche là, normale, li a baou exactement ça comme fondement. Il faut avoir des projets de loi. Oui, projet de loi, une université capable de présenter. Un chercheur capable maintenant de relayer l'État, lui faire une proposition sur son projet de loi. Tant que Jean-Noël fait là, nous dit très clairement, on ne peut pas développer l'armée sans un projet de loi basé sur l'orientation de la programmation. Parti politique, vous mettez pour note. Et représentant, vous mettez pour note, puisque ça, il doit rentrer dans sa agenda nous vers l'horizon 2023. Et. Qui est le conseil qui est bail d'État, nous dit l'État, si c'est vrai, je dis, nous gagnons sécurité comme plan de bataille, nous, mais tout faut que nous gagnions ça avec des conditions préalables. Conditions préalables, nous avons bien pour nous présenter une prochaine fois, puisque ça n'a fait à là, nous rentrer dans ça avec Haïti en développement, nous gagnons environ 34 recherches que nous avons publiées et nous croyons que à partir de recherches, nous avons fini par gagner ça, une science de développement qui est liée au progrès économique d'Haïti. Pour nous finir, nous avons rentré dans les perspectives et objectifs économiques. Si vous avez un document de la dernière page, là. Ça c'est une grosse discussion. En gardez-vous. Sous 15 prochaines années, nous, attendez bien, chaque année, nous gagnons 300 000 Haïtiens environ que nous mettons sur la population. Nous, déjà 12 millions. Ça veut dire, avec un taux d'accroissement de 1,2 Haïtiens l'an, sur les 15 prochaines années, soit entre 2023 et 2039, population haïtienne a passé à 16 millions haïtiens. Jodia, nous gagnons seulement, nous créons emploi pour seulement 200 000 haïtiens. Entre pays bloc et COVID-19, il y a 50 000 emplois qui perdus. Gagnons seulement 150 000 emplois pour une population qui active, qui représente environ 5 millions de monde. Mais ça nous veut dire beaucoup créole. Gagner seulement 150 000 personnes dans le pays, sous 12 millions de personnes, dans 12 millions, gagner 5 millions qui sont actives, sous 5 millions de personnes qui travaillent, gagner seulement 150 000 qui travaillent. Gagner 1 million haïtiens, si vous vivez, et ça nous est en bon créole, la boisse la ria. Et ça, comme je dis, le plus gros instrument économique qui est un jeune garçon, gagner son moto, la boisse, et par emploi qu'elle est. Et ça, il est auto-emploi, il crée une activité par tête. Nous ne sommes pas capables, sans sécurité, de créer richesse pour 3 millions de personnes qui viennent encore dans 15 prochaines années. Donc, 15 prochaines années, d'ici 2028, nous avons déjà à 16 millions haïtiens, mes amis. 16 millions haïtiens qui viennent. Si nous n'avons pas de sécurité, comment nous avons fait créer richesse pour nous? Comment nous avons fait créer travail pour nous? Il ne va pas être impossible et ça comprend que de temps en temps, jeunes quittent. Quatre normal yon entre dans l'anomie sociale, yon entre dans la délinquance, ça vient de baïki, ça vient de la rivière comme résultat. Un pays bourré de bandits, bourré de monde qui a de mauvaises conceptions maintenant de société. Mais qui ça nous fait, nous dit l'État. Yon développe le pays à partir de sa pays à gagner comme force. Qui ça qui force Haïti? N'a pas deux éléments seulement. Haïti gagne une jeunesse qui est très forte. Haïti bien situé en Amérique, on va en force géographique. Haïti gagne ça encore une vision politique qui est capable d'adapter avec le rêve.
Haïti était un pays essentiellement agricole. Toutes les fois, l'État a bien pu monter le budget et c'est pas une très bonne nouvelle quand même. Nous sommes sur le budget 2020-2021. Le président est en responsabilité après le fin de temps pile plaidoyer de travail ça. Puis il a dit bon, il a retiré un bon, alors une bonne proportion d'argent pour matérialiser la police. Oui, mais ça nous besoin. Nous besoin de la police compétitive, nous besoin de l'armée régulièrement compétitive qui pour faire que l'entreprise initiative économique nous crée richesse. Donc, nous ne sommes pas capables de créer richesse en dehors de ça. Si pour Haïti développer, mais trois bagages sont capables d'utiliser comme force. L'idée de gagner, ça relève une politique de bonne gouvernance cohérente. Le développement passe par le développement politique. Une politique de sécurité publique qui est cohérente et orientée vers la croissance inclusive. Une politique économique qui tourne vers des stratégies de lutte contre la pauvreté. Politique économique, là, la base est sur l'agriculture, le tourisme, la croissance endogène et de nouvelles lois de destination fiscale pour favoriser des investissements productifs. Et là encore, nous prenons un plan de développement linéaire qui est adapté aux différentes étapes de l'évolution de la croissance économique, de la nouvelle économie haïtienne, du développement. La prochaine fois, nous allons faire la publier deuxième recherche, nous allons montrer la presse, nous allons montrer l'autorité, le tableau qui est en bas, je ne vais pas parler de l'aujourd'hui, mais dans une prochaine occasion, et ça nous allons faire, nous allons montrer que oui, nous sommes capables de faire de Haïti un pays émergent vers les années 70 à 80. Mais malheureusement, moi je dis ça, la sociologie haïtienne seulement capable de développer Haïti. Haïti n'est pas capable d'émerger en 2030, contrairement à ça. 17 objectifs de développement durable. Contrairement à ça, tout le monde entend qu'on dit qu'il y a fait Haïti émergent en 2030. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir un pays émergent en 2030. Oui, nous sommes capables d'avoir un pays émergent en 2070-2080 si et seulement si nous respectons les étapes de la croissance économique de pays. Pour nous développer Haïti, nous avons besoin de 6 révolutions économiques. Pour nous développer Haïti, nous avons besoin de 6 révolutions économiques. Nous pouvons maintenant premier à même. Donc, son façon pour me dire la presse, pour me dire tout le monde, connaissance scientifique qui a développé Haïti a bien existé déjà. Jodi a, nous gagnons 34 recherches, nous avons présenté par la presse, par le pays, par l'autorité chaque mois. Et nous saluons le gros commandant qui est avec nous, qui représente l'armée d'Haïti dans le cadre de travail. Et nous connaissons tout le grand parti politique là, OPL. Gagné et qui m'a bien félicité de tout net, même de jeudi, c'était un moment vraiment pour nous faire tout le monde pour commencer à faire Haïti Chita autour de un seul rêve. Haïti en développement, parce que tout le monde qui l'a, t'a aimé que gagne croissance inclusive, t'a aimé que gagne bonheur, t'a aimé gagne, ça a été un pays de paix et de prospérité. Si c'est ce que nous rêvons, eh bien, nous disons c'est Haïti en développement. Nous remercions tout le monde, mais n'a pas permis moi, si commandant, si commandant a voulu passer un mot, étant représentant du ministère de la Défense, nous avons dit merci si tu avais même un mot de bienvenue. Non. Il n'a pas fait ça. Non, pas mal. Ok, d'accord. Donc, pas la peine, malheureusement. Pas la peine. Comme on dit, c'est une révolution pour nous. Nous avons une cité. Cette révolution économique, c'est la prochaine conférence que nous avons gagnée. Oui, Haïti gagne une perspective de développement. Haïti a développé et le processus de développement Haïti a commencé d'ici 2023 à 2039 pour nous réaliser la première grande révolution économique haïtienne pour nous capables de préparer l'avenir. Merci beaucoup. Si vous avez une question, nous vraiment saluer tout le monde, la presse en particulier, écrite en ligne, qui était présent avec nos partis politiques et documents disponibles. Je dis à nous finir avec l'histoire ça. Nous payons un document de référence, un document toutes les fois pour faire une campagne, toutes les fois pour faire ça, le renouvellement démocratie paysanne ou alternance politique. Et bien tout le monde n'a mis un document qui dit nous clairement. Qui sa sécurité, comment nous besoin, comment nous rêver. Merci,
Je remercie grandement les étudiants par les universités. À très bientôt. Merci, DG. Merci, tout le monde. Et à avancer la presse.